Eh bien, salut Jean, sur ici pour la suite de Watch Dogs, et puis c'est hallucinant qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Donc là, notre mission, c'est de protéger Clara à tout prix. Donc je sais pas qu'est-ce qui va nous attendre exactement à l'autre bout de l'île. Attendez, je vais vous montrer vite fait où aller pour vous rappeler. Ici, c'est à l'autre bout. On peut malheureusement pas faire un trajet rapide. La dernière fois, j'avais déjà tenté ma chance, mais... Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes si vous l'avez pas vu. Sinon, bah, restez avec moi parce que là, ça va être très intéressant. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Clara. Merde, j'arrive même plus à rouler. Tellement c'est chaud, plein d'émotions. Mais après tout, on va se concentrer maintenant sur notre mission. Donc, c'est de protéger Clara à tout prix, même si on sait pas qu'est-ce qu'elle a fait exactement. Parce que bah, Damien nous a dit qu'elle l'a appelé et tout. C'était un peu chelou. Et bah, on sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ça peut être Damien qui pète un câble de nouveau. Ou alors, bah, Clara, elle a fouillé un peu là-dedans. Mais bon, on sait pas exactement. Donc, on va se dépêcher. Aller là-bas parce que il faut après tout quand même la protéger parce que bon, elle nous a bien aidé. Même si bon, Damien, il paraît que elle a quand même foutu un peu la merde. Enfin, pour nous. Et pour la peine, on va hacker le pont. Le mec, il s'amuse, il sait plus trop quoi faire. Il hack le pont en fait. Rien à foutre. Ah merde, ça va être chaud. Dégage. Voilà, ça passe comme ça. Il faut juste un peu pousser. Donc, non, mais c'est vraiment à l'autre bout de nulle part là. Oula, ça c'est dangereux. Mais je crois qu'on peut pas mourir de la voiture, pas comme dans GTA. En tout cas, de la moto c'est pas possible. Donc, je pense que de la moto, de la voiture non plus. Et je trouve ça pas si mal en fait. Mais bon, le résumé et tout, on va le faire en toute façon à la fin du jeu. Et j'ai grave l'impression qu'on se rapproche de la fin du jeu. On a un appel. Y a un paquet de véhicules du club qui se dirigent vers toi. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? Oh non, mais mec, pas ça. Oh, je sens que ça va être chaud là. Ah, on est obligé de continuer à pied. On peut plus continuer. Voiture. Eh, mais c'est pas le cimetière là? Pourquoi Clara elle est au cimetière? Oh mon gars, non. Clara! Non! Ils vont pas la tuer quand même. Oh purée! Non! Non mais vous êtes sérieux sur ça? Et attends, j'y vais quand même pas au silencieux là. Attends, attends, attends. Putain les gars, vous êtes sérieux? Ils ont tué Clara, non mais j'y crois pas là. Eh mais elle est vraiment morte en plus? Non les gars. Aiden. Je sais pas trop par où commencer. La première fois que je t'ai vu, tu jouais aux échecs avec Jackson dans le parc. C'était juste après l'enterrement.
La tristesse se voyait encore sur vos visages. J'ai tout de suite compris que tu le protégeais. Dans notre milieu, on se cache dans le noir, derrière des écrans. C'est là qu'on se sent en sécurité. Ça sert à rien que je te dise que j'étais pas au courant que des gens allaient être sacrifiés. Que c'était qu'un boulot. Je croyais qu'en t'aidant à guérir, à trouver des réponses, ça pourrait m'aider à guérir, moi aussi. Mais je peux pas. Quand tout ça sera fini, j'espère qu'on pourra se parler. Et sinon, je pourrais toujours disparaître. C'est ma spécialité. Bon bah... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas trop quoi dire, quoi, là. C'est ma faute. Tout ça à cause de chantage. Une fillette de 6 ans meurt parce qu'un vieil homme veut protéger ses secrets. Et Bloom... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent aux médias, mais ils ont du sang sur les mains. Les secrets, c'est terminé. Oh là là. Pierce, dis-moi que t'as tout ce qu'il faut, parce que là, je suis crevé. C'est Clara. Elle est... Oublie-la, pour l'instant, t'as assez d'emmerdes comme ça. Elle est morte. Oh non. Oh non, putain! Je rentre au bunker. Il faut qu'on en finisse. Ouh là 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 là! Ouais, on va aller au bunker. Putain. J'ai pensé que... En lisant la mission, protéger Clara à tout prix. Pour encore la protéger, mais... On ne dirait pas. En plus avec la musique et tout, ça le fait vraiment pas là. Bon, après tout, pas mal de gens morts quand même à cause de notre histoire. Bon, bien sûr, ça a commencé par notre nièce. Léna. Mais après, c'est parti vraiment en live, là. Tous les morts qu'il y a, là, c'est... Ouh. Mais bon, sur la liste, il manque plus que Damien à tuer, quoi. Même si c'était un pote un jour, quoi, mais bon. C'est moche. Cette fois-ci, par contre, je vais pas me faire avoir. Il t'arrive aussi de perdre. Ouais, bah ça. Une des plus célèbres de Chicago, Dermot Lockwood. On lui a attribué des liens avec le Chicago South Club pendant des décennies, mais aucune preuve n'a jamais été retenue. Monsieur Quinn aurait succombé à une crise cardiaque. Ouais, bah, Green aussi, il est mort. On l'a tué la dernière fois. Enfin, c'était une crise cardiaque, mais bon. C'était à cause de nous. Mais bon, lui c'était un enfoiré, donc ça va. Et mais T-Bone, il est où? Il est pas au bunker? C'est chelou tout ça aussi.
J'espère que ça te dérange pas. Je prends une partie de ton stock. Comme ça, on est quitte. Pas de problème, prends ce que tu veux. À mon avis, je vais bientôt avoir des fixeurs au cul. Je savais même pas que Rose était morte. Pourquoi elle a pas essayé de disparaître? Rien ne prouve que Bloom est responsable de sa mort. Putain, Aiden. Tout pointe vers eux. Il y a plein de trucs incohérents. Des marchés publics illégaux, des fraudes électorales. Tout ce qu'il leur fallait, c'était une bonne équipe de com. Après la mort de Rose, ils ont créé ça. Et je sais pas pourquoi ni comment, mais ce code, il est dangereux. Il y a une histoire de... J'ai pas tout compris, mais en gros, il parlait de Belle quelque chose. Belle Weather. Alors c'est ça qu'il voulait. Il faut détruire ce code, mon pote. Pour le reste, je te laisse choisir. Tu sais, Eden, je suis désolé pour Clara. Moi aussi. Cette histoire, elle est merdique, d'un côté comme de l'autre. Fais attention. Quand la lumière s'éteint, c'est là que les ennuis commencent. Plusieurs dirigeants de la société Bloom ont à répondre d'une série de vidéos à caractère sexuel récemment diffusées sur Internet. Bien que le visage de l'agent de police ne soit pas clairement identifiable dans la vidéo, la police son numéro de badge est... Une vidéo troublante implique Donovan Rushmore dans le meurtre d'une certaine Rose Washington. La victime était une employée du réseau CityOS portée disparue depuis plus d'un an. Le maire se refuse à tout commentaire. Un communiqué de la mairie affirme qu'il s'agit d'images trafiquées, probablement par le groupe DedSec, afin de discréditer le maire. Tout ce que je sais, c'est que Nicky est en sécurité. Et que tu vas payer pour Clara. Tu crois que c'est toi le héros de l'histoire? Mais lis les journaux, putain. Toute la ville te déteste. Toi et ton orgueil à la con. Allez, vas-y, je t'attends. Qu'on en finisse. Oh, mais j'ai oublié de te dire un truc. Tu vas adorer. J'ai débloqué le CityOS. Complètement. Je suis dans le système. Je te jure que tu vas halluciner. Mais vous êtes sérieux? T-Bone? Et voilà, j'attends mon train seulement là. Il y a des lumières qui viennent de sauter. Ça ne fait que commencer, tu peux me croire. Damien a l'accès complet au système. Ah, alors là-dedans, tu rêves. Je vais quand même pas laisser ce guignol s'en prendre à mon bébé. Il y a une faille, mais je suis sûr qu'il la connaît pas. Alors tu vas te dépêcher d'aller sur place et tu vas tout couper. Ça va lui calmer ses ardeurs, à ce connard. Je t'appelle quand je suis sur place. Content de t'avoir avec moi. J'aime bien me sentir utile. Oh putain, mais là, il va foutre la merde encore, ce Damien. Putain, mais mec... Genre qu'on n'a pas assez de problèmes là, on vient de perdre Clara et tout, et puis là le mec il fait encore la merde là, putain. Oh putain. Le CityOS, c'est vraiment une merveille d'ingéniosité.
Un système modèle pour une ville modèle et des citoyens modèles. Je me demande ce que Bloom pense des éventuels piratages du système. Les hackers? Détendez-vous. Le site US est protégé par... bla bla bla. L'arrogant Hayden. Elle peut causer tant de mal. Mais tu le sais mieux que quiconque. Pas vrai? Oh putain, celui-là il est venu à imprévu. Putain mais ce Damien là, il va commencer à me saouler. Enfin non, il commence même pas, il finit à me saouler là. Parce que là... Attention le pont. Oh putain. Bonjour. Il fait chier là. Là ça c'est le moment où il fait chier à mort. Donc... Ah bah merde, c'est vers là. Putain, le mec avec son CTOS. Par contre, l'entrée, c'est où? Ça doit être là. Hein. Bonjour. Ah, absolument pas vers là. On va essayer de rentrer vers là-bas. Ah bah, Green est là. Et bien évidemment, mon jeu préféré. Oula, oh, oh là, oh, ok. D'accord, donc pour le moment, on peut rien préparer de spécial. Ok. Bon, on va tenter notre chance. On verra bien. Quoi? Merde, j'arrive pas à passer le firewall. Thibaut pourra peut-être m'aider. Ah ouais, carrément. Il nous a bloqués. Il faut qu'on le déconnecte. Et vite. Oh putain. J'ai bien une idée, mais... La dernière fois que j'ai fait ça, des gens sont morts. Si on fait rien, des gens vont mourir là aussi. Alors? Alors? Alors le CTOS est relié à un satellite qui agit comme une valve de sécurité. Seulement moi, j'ai un petit virus maison. Un putain d'exterminateur. Il faut juste que t'ailles l'installer depuis trois points différents. Et ça fera quoi? Ça fera que l'autre enfoiré pourra plus rien faire, ça je te le garantis. Ça va être le bordel. T'imagines pas à quel point, amigo. Appelle-moi quand le virus est en place. Il faut qu'on fasse ça bien. Oula. Ok, donc. On va hacker tout ça. Il me faudrait juste une voiture, ça serait bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai perdu de la vie? Tu pensais vraiment pouvoir m'arrêter si facilement? Tu me déçois. Je te croyais intelligent, mais on dirait que tu vaux pas mieux que les autres. Dehors. Oh, le silence pour seule réponse. Tu veux jouer avec mes nerfs? Et qui sait ce que je pourrais faire dans cet état? Allez, Hayden, impressionne-moi! Qu'est-ce que tu vas faire? Prends-moi au dépourvu, allez! Tu peux faire mieux que ça! What the fuck? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Donc, objectif. Donc là. Putain, il est en train de foutre la merde là. Il a trafiqué le système de navigation. Il essaie de me ralentir. Allez, on se concentre sur un endroit à la fois. Oh là, mais là c'est carrément trop chou là, je n'arrive plus à... voir... Oh non! Bon bah heureusement on a une bonne voiture. Oula! Oula! Oh putain! Eh mais attends, là... C'est un peu exagéré parce que là... Oula! Voilà. Ah merde, là on peut pas... Donc, on va aller vers là. Voilà. Ça c'est fait. Dis donc, elle se servait à rien ta conne de la queue finalement. Donc, maintenant, celui-là il est fait normalement. Voilà, attendez. Est-ce que. Bah, c'est que les deux là en fait. Ok, donc on va d'abord faire celui-là. Et pourquoi je dois revenir à mes pas? Eh mais mec, pourquoi? Ah d'accord, c'est... D'accord, il y a un transfert à faire.
D'accord. Oh mais mec, mais c'est carrément chaud. Dépêche-toi un peu de transfert là, parce que là en fait... Mais comment je vais faire? Eh ben les gars, en plus je vais me faire coincer parce que j'ai hacké le Earth. La Earth. Oula. Attendez, attendez. Bon, c'est fait là. Bon, je me casse. Putain, et bien évidemment, je me prends la Earth. Putain, mais là c'est carrément le bordel là, c'est. En fait, j'ai un petit problème, c'est... On dirait que j'ai une fusée, là. Attention, ladies and gentlemen. On va aller... Merde, en fait, je me trompais de route. Ah oui, en plus, tout à fait, de tromper de route. Oh putain, mais il y a combien de points, là? Oh, c'est quoi ce bordel, les gars? Non. Ah, ça, j'aime carrément pas. Quand c'est comme ça, bizarrement... Non. Bon, on va aller vers là, on va voir... Putain, en plus ça fait... Oh putain! Central, le suspect bah. On va changer la situation. Allez, je vais vers là. Putain, mais c'est... C'est le bordel là, c'est... J'hallucine. Bon, toi t'arrêtes de me pousser là, parce que ça c'est un peu gênant là. Voilà. Et mais il pousse avec force en plus les gars, il déconne pas. Voilà. Donc, en fait le problème c'est que, est-ce que ça serait peut-être pas mieux de... Putain mais c'est carrément le bordel là, j'arrive pas à me concentrer. De d'abord larguer des flics, parce que là en fait le problème... C'est qu'à chaque fois, si on pirate un truc, les flics, ils vont pas absolument nous aider. J'ai réservé un vol pour aller pourrir Londres. Putain, mais là... Eh, mais là, les gars, c'est carrément trop le bordel, là, ça... Voiture de patrouille de choc est à la poursuite. C'est... Entre les flics, entre... Ah merde, c'est ma voiture, je voulais la prendre. Ah non, c'est pas ma voiture, mais... Elle est déjà cassée. Ah, mais c'est les flics, en fait, qui cassent tout ça, en fait. Bon les gars, on se calme là. J'en ai marre. Alors, comment on va faire du coup là? Une voiture de patrouille de choc se dirige vers la position du suspect. Putain mais là c'est carrément trop le bordel là, c'est... J'hallucine. Attends. Mais rentre. Mec, mais rentre! Pourquoi je peux plus rentrer? Et les gars, il y a un bug. Je peux plus rentrer dans le véhicule. Ah bah voilà. Donc, mais non. Oh putain. Oh là là, mais mec. J'ai carrément mal à la tête là. Donc. On va pirater ça là-bas. On change de position pour un meilleur angle de tir. Donc normalement, celui-là, ça... Ah non, mec, peut-être ça peut être celui-là. On va déjà continuer tout droit pour le moment. Oh putain, les gars. Voilà. Donc si j'ai bien compris... Merde. Les trucs où il y a écrit « pirater », c'est les bons. Donc ça doit être celui-là, à la base. J'espère. Déjà, on va se diriger vers là. Par contre, je vais prendre le pont là. Comme ça, il peut s'amuser à hacker ça. Peut-être nous, on va en profiter pour échapper aux flics. Merde, il y a l'hélico là-bas. Il faut juste qu'on ne se fait pas reculer. Ah, je suis presque. Allô, centrale, le suspect a filé. Voilà. Faudrait prévenir toutes les patrouilles.
Donc ça c'est semé. Putain mais il est en train de nous hacker toute la ville là. Oh là 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 là. Il va se calmer lui, putain mec. Oh putain non. Putain, je voulais faire un brouillage. Oh putain. Centrale, demande d'accès au City OS. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Voilà ce que j'aime dans les virus. Des fois, ils font du grand n'importe quoi. Le suspect a échappé à l'hélico. Informez les unités au sol. On va faire un blackout déjà. On a une coupure de courant dans notre secteur. Ah déjà, connexion indisponible. Ah merde, ouais. Putain, connexion perdue. Mec, ça me sert à rien en fait. On va vérifier au nord de votre position. On a perdu le suspect. On refait un passage. À vous. Donc le blackout normalement il va s'enlever. Pourquoi la connexion a été toujours perdue? Ah voilà. Putain ils font chier les flics. J'ai vu personne. J'ai fait un tour là-bas. Oh putain non, pas lui. Mais oui, mais oui, mais bien sûr, mais mec. Putain, mais c'est quoi cette mission? C'est une mission en fait en anti-triste. Anti-tristesse. Comme ça, on est pas triste en fait, on rage plutôt. Bon. On recommence tout ça. Allô? Vous pouvez envoyer les flics vite? Tania a trafiqué le système de navigation. Il essaie de me ralentir. Allez, on se concentre sur un endroit à la fois. Est-ce que c'est principalement... Non, c'est pas principalement pas possible d'échapper aux flics. Une voiture de patrouille de choc a été envoyée en direction du suspect. Putain, mais c'est trop le bordel, là. Franchement, les gars. Arrêtez votre véhicule. Suspect hors du champ de vision, on bouge. Puis ça, on va le faire. Oh là. Oh putain, il fait chier. Tu vois comme le système est malin? Il anticipe le problème. Toi. Et il essaie de le résoudre. On lâche plus. Voilà, donc on suit toujours. Oh putain, mais c'est le bordel là. Police, rangez-vous. Non, mais là j'ai un autre problème en fait. C'est. C'est un peu le bordel dans cette ville. Mais mec, mais ouvre le. Voilà. Et puis attends, attends. Centrale, on demande un accès au CPOS. Il a laissé sa chaîne. Mais mec, pourquoi il fait un... Pourquoi il sort vers là? Ouais, je dois juste courir vers là. Attention, voiture de patrouille de choc est en route vers voilà. Position. Donc on va essayer de pirater ça. Regarde comme c'est efficace une ville numérique. Elle réduit sa consommation d'énergie pour te trouver. La meilleure attaque, c'est une défense optimale. Oh putain, les gars.
en ligne, centrale. Le suspect nous a échappé. On refait un passage. Mais attendez, faut juste que on voit l'hélico, voilà. On a de sérieux problèmes techniques ici. On doit rentrer immédiatement. Allez, maintenant je dois me casser. Restez en ligne, on fait un passage. Il doit pas être bien loin. Allez, vite. Allez. Et pourquoi l'hélico il rentre pas chez lui là? Allez, on se casse. Oui, on se casse. Bon. Déjà, on a pu maintenant mettre le virus. Comme ça, au moins, c'est plus trop le bordel. Ouais, à part si moi, je fous le bordel. Voilà. Mais je préfère. Comme ça, au moins, j'ai tout ça sous contrôle. Putain, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie pour hacker ces bornes, ça serait magnifique là. Oh putain, mais l'hélico il va nous faire chier là. Arrêtez maintenant. Ouh, ça, ça m'aurait pas plu. Attention aux bornes. Bon, il me faudrait un genre de. Dernier contact avec le suspect à un pâté de maison. Voilà. Attendez. J'espère qu'il y a plus de flics. Et on l'a, les gars. Faut que je me dépêche. Et attends. Non. Il me manque quelques millimètres. Mec, non. Attends. Là, j'y suis, les gars. Ah, ouf. Ah, putain. Là. Oula, là par contre, il y a juste les flics là. C'est bon, les virus sont en place. Ok, retourne à l'endroit du point faible. Là où on a commencé. La bécane va s'ouvrir comme une jolie petite... Enfin, tu vois, quoi. En gros, on a un accès direct au satellite, et ça, c'est carrément important. Ok, je vois. Un accès au satellite. C'est ça la soupape de sécurité? Tu rigoles, c'est mieux que ça. Une fois à l'intérieur, t'appuies sur le bouton et pouf, coupure générale. Et si on a du bol, et que je suis aussi brillant qu'on le dit, on saura où se cache Damien. Je demande pas mieux. Ah oh, putain, les gars, ça c'est... Ouh, c'est chaud, là, quand même. Prendre en fait on s'en fout, on prend un véhicule quoi tout simplement. Dégage, allez. Voir. Bon, donc c'est où exactement? C'est là. D'accord. Est-ce que ça c'est toujours désactivé? Bien évidemment c'est désactivé. Par contre on va continuer la prochaine fois les gars. Et je sens qu'on se rapproche mais alors tellement de la fin. J'ai même l'impression que ça, la prochaine fois ça va être la fin. Ou... Ouais, si, je pense. Je pense que ça... On se rapproche tellement de la fin qu'on crate la fin. On sent déjà la fin, là. Et ça sent bon. Enfin, non, ça sent mauvais. Mais bon, si on met un peu de parfum dessus, ça va. Enfin, bref. Donc, je vous dis... à la prochaine, les gens. Et ça risque d'être... très intéressant. Comme c'est déjà maintenant le cas, mais... Allez, bon, je vous dis à la prochaine les gens pour la suite de Watch Dogs. Et puis, soyez présents parce que là, ça risque vraiment d'être... J'en peux plus, moi, j'arrive même plus à parler. Quelle histoire de ouf. Mais c'est peut-être aussi la musique qui me fait stresser, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc salut les gens, et à très très bientôt.